Alors c'est important pour moi de soutenir la lutte contre le cancer de la tête et du cou parce que c'est un cancer qui est très peu connu alors qu'il y a 2500 cas qui sont diagnostiqués en Belgique chaque année. Alors il y a évidemment des façons simples d'essayer de l'éviter puisqu'on le sait, c'est toujours une loterie le cancer. Mais a priori, eh bien, il faut adopter un mode de vie sain, une hygiène de vie qui passe par une alimentation équilibrée et aussi un peu de sport. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut essayer de bouger, de marcher, de monter les escaliers, de faire le tour de son pâté de maison. Et puis alors la deuxième chose à faire pour se protéger un maximum, eh bien, c'est d'éviter l'alcool, éviter le tabac. Alors l'alcool, c'est vrai, ça peut être festif de temps en temps, un verre ou deux, c'est pas trop grave, c'est même tout ce qu'on fait en général. Mais par contre, le tabagisme, ça c'est absolument proscrit, il faut éviter toutes ces tentations et adopter ce mode de vie sain pour se protéger et vivre le mieux possible, le plus longtemps possible.